by Wales. Bonjour et bienvenue sur MyWay Sport. Aujourd'hui dans ce numéro hors série, nous nous trouvons à La Guépie, dans le Tarn-et-Garonne. La confluence des départements, des rivières, mais aussi des paysages, font de La Guépie une destination insolite. Le château de Saint-Martin-La Guépie domine la colline où confluent plus bas le Vior et l'Aveyron. Aux couleurs or et azur, La Guépie est un paradis pour vacanciers amoureux de la nature et du vivre à la campagne. Mais dans ce numéro, nous allons nous concentrer sur le troisième motocross nocturne organisé par le motoclub. C'est parti! Bonjour Joan. Dis-moi, comment fonctionne ce club ? Le club aujourd'hui, c'est une équipe d'amis, une équipe de copains, notamment un bon nombre de membres du club, du motoclub de l'Isaac, qui depuis quelques années organise un événement vraiment super dans la région avec un petit supercross, et donc notamment avec Jean-François Vignals. Sur son impulsion, on a voulu relancer un petit événement sympa qui permet de faire de bonnes courses. Donc la formule du nocturne était la plus appropriée pour ça. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un terrain mythique des années 90, on va dire, où il y a eu des Grand Prix 500, des gros Inter 125 qui utilisaient tout le terrain. Nous aujourd'hui, on a voulu faire une formule un petit peu plus accessible avec un petit nocturne international. On essaie à chaque fois d'avoir des bons pilotes. Donc du coup, on a voulu se concentrer sur une partie de piste beaucoup plus courte de façon à pouvoir bien éclairer et fournir une bonne piste à tous les pilotes qui viennent participer à l'épreuve. En effet, ils étaient nombreux à venir disputer cette compétition. Plus de 130 pilotes se sont inscrits. Après le passage obligatoire au contrôle technique pour valider les machines et les équipements et bien sûr récupérer les transpondeurs, certains terminent les derniers préparatifs, d'autres observent et mémorisent la piste. Mais en attendant, voici les essais qui démarrent. Les essais démarrent et plus tard les essais chronométrés. Certains pilotes connaissaient déjà cette piste puisque l'année dernière elle était déjà identique. En 2013, lors d'une inauguration du nocturne, elle mesurait 200 mètres de moins. Aujourd'hui elle fait 1100 mètres sur une terre plutôt naturelle, voire argileuse. Les caractéristiques de cette piste, déjà il faut savoir qu'elle a été rehomologuée et les particularités donc du circuit. C'est surtout les grandes montées et les descentes, les longues lignes droites, les virages relevés, le camel en haut devant les spectateurs, beaucoup de tables, des sauts en montée, des sauts en descente, une piste délimitée par du grillage et une visibilité en tout cas totale. Ok, salut Lydia. Salut. Comment va ? Bah écoute, ça va, nickel. Comment ça se fait quand on te voit à La Guépie ? Ben on me voit à La Guépie parce que c'est une piste sur laquelle j'aime bien venir m'entraîner l'hiver. C'est vrai que c'est une piste où on peut rouler dans toutes les conditions et l'hiver en général on vient souvent ici faire les tests suspension ou les tests moteurs ou même s'entraîner tout simplement parce que voilà c'est un peu défoncé, il y a des montées, des descentes, ça se rapproche un peu d'une piste de Grand Prix. Donc j'ai l'habitude de venir ici m'entraîner, donc là c'était l'occasion de venir ici faire une course. La course telle qu'elle est là, telle qu'elle était redessinée, tu la connaissais déjà ?
Non, je connaissais pas, on m'en avait déjà parlé, je connaissais de nom forcément, mais j'étais jamais venue, c'est la première fois que je vais découvrir un peu le tracé plus court déjà et puis rouler de nuit. Là les essais ça a donné quoi du coup? Ça s'est bien passé, apparemment je fais le 9e temps à 4 secondes de la pole, j'ai pas d'objectif aujourd'hui, de toute façon c'est ma première sortie sur la moto après la finale du mondial, donc j'ai juste envie de m'amuser, prendre du plaisir ici avec les fans et faire un coup de moto sans penser aux résultats, sans penser à tout ça. Ok monsieur, qu'est-ce que vous faites donc à l'Agapi ce week-end là? Comment ça se fait que vous soyez venu? On est venu faire une petite course, un petit inter pour notre sponsor, Boss Suspension, parmi les fourches et amortisseurs. Donc on est venu à l'Agapi rouler un peu. On est venu prendre un peu de plaisir sur un nocturne, donc ça change un peu. Moi pour ma part je fais un championnat de France de sable, donc c'est de prendre un peu de roulage, un peu de vitesse pour le sable sur la terre et puis voilà. Moi je suis à court de roulage, j'ai repris la moto il y a un mois et on s'entraîne pour le supercross, mais de faire un petit cross nocturne ça fait toujours plaisir et ça fait prendre de la vitesse. Pour ces essais, qu'est-ce que ça a donné au niveau du terrain? Pour toi Nico, comment tu le trouves? Ça va, un bon feeling on dirait à la piste. C'est un peu glissant mais bon, avec le nocturne de ce soir je pense que ça va être pas mal. On va s'amuser avec les pilotes et tout, c'est une bonne ambiance. Comme c'est pas un championnat de France, on va dire que prendre du plaisir à rouler avec tous mes potes et tout, donc c'est cool. Moi pour ma part, j'ai pris une petite 125 pour aujourd'hui, ce soir. Et il n'y avait pas de frein pour les essais, mais le mécano au top, il va régler ça. Et puis on va se faire plaisir toute la soirée. Et t'as fini combien du coup, sans frein? Premier? Sans frein, non, pas premier. Déjà, j'ai essayé de me mettre à l'aise sur la piste. Voilà. Il n'y a pas de sable sur la course. Ouais, il n'y a pas assez de sable. Bien, ah si, il y a certains virages, c'est limite. Hein. Moi, première séance d'essai, pas trop mal, la piste glisse un peu. Il va falloir ce soir partir devant parce que sinon ça va être compliqué pour doubler, elle est assez courte. Mais on est là pour rouler, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ces essais chronos là? Qu'est-ce que tu as retenu? Les bons temps, on a les bons temps en 125, de la catégorie 125, avec le champion en titre, Roussali, qui va essayer de se rattraper pour maintenir son titre. On a vu que Calvin Fonvieille, qui revient d'une blessure, donc qui a roulé il y a cela 15 jours à Gimont, a réalisé un deuxième temps. Donc peut-être que pendant la manche, après, ça risquera peut-être un petit peu de remettre les pendules à l'ombre, mais déjà ça promet une catégorie 125 qui va être super belle. Par contre, la catégorie prestige, on a eu un très bon temps du régional du Ginesta, une fois, qui est le gars et qui arrive de la Ligue et qui fait un très bon temps. Et puis on verra Vélivalenselo, Olivia, qui n'a fait que le 15e temps. Hein. Mais bon, ça ne veut rien dire. Après la manche, ça peut très bien changer les choses. Hein. Voilà. Mais je crois qu'on va avoir une très belle manche prestige et surtout la Ligue qui va être fortement disputée. On démarre avec les poussins. Bon, on va faire un résumé de la première et deuxième manche. On les a fait courir avec peu d'intervalle car ils sont tout petits. Ils ont entre 8 et 12 ans et courent sur des machines de 50 voire 65 cm cubes. En tout cas, ils n'ont pas froid aux yeux, ça déménage et ils attaquent très très fort. C'était très serré en tout cas pour les 5 premiers petits pilotes, car ils font quand même un meilleur tour en moins d'une minute 40. Je vais nommer les deux vainqueurs, c'est-à-dire le numéro 3 Renaud Pierre et le 96 Arnaud Zoldos, mais aussi le numéro 12 Lenny Odinat, le numéro 22 Tristan Meizou et le 47 Arthur Dallan. Quelques petites chutes, heureusement sans gravité, et quelques difficultés pour relever les machines. En tout cas, les deux premiers nous ont fait un spectacle vraiment impressionnant. Allez, c'est parti pour la première manche des NCO série 1, 28 partants, une non partante. Malheureusement, Gloria Jacquemart qui s'est blessée lors des chronométrages. Rien de grave, on lui souhaite tout de même un bon rétablissement. Alors les 5 premiers de ce départ sont donc le 672 Franck Bouissou, suivi du 120 Corentin Capel, ensuite le 17 Benjamin Baïs, ensuite le 515 Olivier Schneider et pour finir le 424 Frédéric Fabon.
Franck Bouissou va tenter de garder la tête de cette manche, mais attention derrière, ça se bouscule et on a pas mal de pression faite surtout par Frédéric Fabon, le numéro 424, qui talonne sans cesse Corentin Capel, le numéro 120. Pendant que ça se bouscule dans le milieu du tableau, les premiers accélèrent et viennent même prendre un tour au retardataire. Quelques soucis, comme ici le numéro 416, Olivier Paul, mais sans contexte, la victoire sera donc pour Franck Bouissou devant Frédéric Fabon. Départ pour les NCO Série 2, 28 pilotes sur la grille, deux non partants, le 80 Grimal Mathieu et le 194 Rodriguez Ludovic. Les hommes à passer en tête au bout de ce premier tour sont le 516 Ferro Melvin, le 308 Camier Florian, le 129 Lafargue Justin, le 99 Cousigny Arnaud, le 777 Moulino Cyril, le 145 Serles Rémy. Très rapidement, deux pelotons vont se faire, les hommes de tête vont rouler ensemble. Les 5 premiers, mis à part le 308 Camier Florian qui a laissé passer pas mal de monde devant lui, les autres se suivent dans le milieu du tableau. Des bagarres pour le top 10 entre Mancé, Bach, Camier, Legrain, Fernandez, Sichy et Bousquet. Il est important de noter que beaucoup font partie du club de la Guépi, mais beaucoup sont venus de loin, comme de Gimont, comme du Rouquetois, du Bac-Hercy, de Lozère également. Mais ce sera donc Ferro Melvin qui l'emportera, le numéro 516. Allez, c'est parti pour cette Ligue 125, très attendu. Roussali donc champion en titre pour l'instant, mais attention à ceux qui arrivent derrière, Adonis, Fonvieille, Monsato ou Faye. Au bout de ce premier tour, les hommes de tête sont le 975 Julien Roussali, devant le 714 Michael Adonis, après le numéro 11 Calvin Fonvieille, le 965 Hugo Monsato et le 51 Paul Giroux. Pour un top 10, ça va être très serré, ça va se battre entre Faye, Manprin, Simple, Flotte, Blanc, Perrotte et Delpuech dans le deuxième peloton. Tandis que devant, ça se bouscule et c'est Fonvieille qui prend les commandes. Mais attention, le 970 Sean Vinel est venu se mêler au top 5 et remonte tout ça très rapidement. Mais au bout de cette manche, ça sera finalement Calvin Fonvieille qui l'emportera avec un meilleur tour de 1.11.769. On ne peut pas dire que la guépi ne sonne pas dans les oreilles des pilotes, car nombreux sont venus et ont répondu présent pour cette compétition. 29 partants. Des noms comme Ginesta, Lacan, Deldossi, mais aussi Roussali, Humbert, Barcelo, Ougounet, Toulza, sans oublier la quintuple championne de France et vice-championne du monde 2015, Livia Lancelot, le numéro 114. C'est parti pour cette manche et ça va être très disputé. Dans la descente, c'est Tarallo, Ginesta qui sont les hommes de tête, mais très rapidement, Ginesta va prendre les commandes de cette manche. En milieu de manche, on verra une bagarre pour le top 5 entre Barcelo, Humbert, Roussali, Tarallo, Deldossi, Lacan et Ginesta. Petit à petit, Ginesta le 36 et Lacan le 222 vont creuser un écart considérable sur leur poursuivant. Devant Tarallo, Deldossi et Roussali. Pour le top 10, ça va se battre entre Barcelo, Lebeau, Hugounet et Inghileri. Et donc ici, c'est Ginesta, Yannick, le 36, qui va l'emporter. J'ai pas fait une bonne sortie de grille, j'ai glissé au départ, je me suis bien faufilé au premier virage. C'est sûr, Jordan était plus rapide, voilà, après c'est la course, moi je suis parti devant lui, j'ai fermé les portes, et je suis resté devant, et je compte bien rester devant les autres, je sais. Allez, on est parti pour la deuxième manche NCO Série 1, 27 pilotes au départ, 4 non partants pour des soucis mécaniques ou blessures.
Très rapidement, Franck Guissou, le 672, est en tête de cette manche. Attention, il y a Jacobo, Baïs, Del Saïd, Borg, Schneider, Capel, Estival qui sont derrière lui. Mais petit à petit, il va creuser l'écart. Dans le milieu du tableau, c'est très serré entre Courtefoy, Coelho, Estival, Borsalin, d'Oliveira. Mais sur cette manche, c'est Franck Guissou qui a été le meilleur. Parfait pour moi. Première manche, ouais, j'ai eu chaud un peu, mais parce que je me suis un peu trop relâché trop vite. Ouais, là, j'ai essayé de tenir, tirer jusqu'au bout et ça a payé. Allez. Deuxième manche pour l'NCO série 2. Il va falloir surveiller le 516 Melvin Ferro. Et là, ça démarre fort et chute du numéro 47, Colombier Mathieu. On est un peu moins serré car effectivement il n'y a que 23 pilotes car il y a 4 non partants. Les retardataires essayent de grappiller petit à petit la distance. Mais ici c'est Mansé, le 402, qui accélère devant le 516 Melvin Ferro. On va dépasser les retardataires, ils roulent très vite. Et derrière eux, on va pour la top 5 avoir une bagarre entre Cousinier, Moulinou et Lafargue. Et c'est donc Mansé Hubert, le 402, qui l'apporte sur cette deuxième manche. On va faire revenir derrière, on va voilà. Je vous remercie tout le public et puis mes amis en particulier qui sont venus là ce soir, ça fait plaisir et voilà, merci. C'est parti pour les 125 de la Ligue. Donc, bagarre sûrement entre Fonvieille le 11 et Roussali le 975. Ici, c'est le 11 Fonvieille suivi du 970 Vinel Schoen et du 975 Julien Roussali qui passe en tête provisoirement. Derrière, on retrouvera Manzato, Giraud, Adonis, Mampin. Mais attention, il y en a un qui va faire une surprise sur cette manche. C'est le numéro 49, Julien Blanc, qui petit à petit remonte et grappille des places. Une chute malheureuse pour le 970. Sean Vinail va le priver du reste de la compétition et du reste de la manche. Pour l'instant, donc, Fonvieille mène cette course en solitaire devant. Il n'est pas du tout inquiété sur cette manche. Roussali, Blanc, Manzato et Giraud se battent pour le top 5. Adonis, Mampren, Lamartre, Semp et Faye se battent pour le top 10. Et donc victoire sans surprise de Calvin Folvieille, le numéro 11. Bon, c'est plutôt bien, je suis content de moi et voilà, je suis content de ma journée aussi. J'ai bien roulé, j'ai fait deux très bons départs. Premièrement, je suis parti 3ème et là, je suis parti 1er. Donc ça, c'était très bien. Et puis, voilà, après c'était difficile à gérer lorsqu'on est revenu sur les retardataires. J'ai perdu un petit peu de temps, je suis bien, je me rendais dessus, mais voilà, sinon je suis content de moi. Deuxième manche pour les nationaux. On a vu tout à l'heure un Lacan et un Ginesta se battre pour la première place. On remarque également une 7ème place pour Barcelo et une 13ème place pour Lydia Lancelot. Ça démarre très fort, ça démarre très vite. De suite, Lacan et Ginesta commencent à prendre le large sur les assaillants. Derrière, il y a Dubéro, Starallo, Deldossi, Roussailleux, Hugonet qui essayent de rentrer dans ce top 5. Concernant le top 10, on va plutôt avoir Mort, Barcelo, Toulza, Enguileri, Kersi, Lebeau, Bombin, Erin qui vont être dans un mouchoir de poche. On voit que les pilotes prennent des risques et c'est le cas également du 972 Humbert Lucas qui malheureusement finit dans le grillage. Et pour cette manche, ça sera donc Jordan Lacan, le 222, qui l'emporte devant Yannick Ginesta. Ça m'a super aidé et puis après moi j'ai géré. La piste est un peu piégeuse donc j'ai pas pris de risques, j'ai roulé tranquille et ça a été. Une pause est donc nécessaire pour refaire l'état de la piste mais pour permettre aussi aux spectateurs de se détendre quelques minutes et de profiter pour mieux connaître leur pilote préféré et leur demander bien sûr des autographes.
Allez, c'est au tour de la finale pour les NCO. On a pris les meilleurs pilotes des deux catégories, NCO 1 et NCO 2. On fait donc une finale avec tout ce monde-là. Très rapidement, sur le premier tour, on va remarquer de suite des pilotes comme le 129 Lafargue Justin, suivi du 99 Cousigny Arnaud et du 402 Mancé Hubert. On donne le tout pour le tout et on chute comme ici le 516 Ferro Melvin qui repartira mais qui aura perdu des places très importantes. Belle bagarre entre Cousinier et Mancé et c'est Cousinier qui finira à la seconde place. Et en haut du podium, c'est Justin Lafargue, le numéro 129. Bravo à tous les pilotes pour cette finale. Tout le monde a donné le meilleur de soi-même et c'était une bien belle finale. Allez, c'est parti pour les prestiges. Ça part très fort et attention pour Livia Lancelot qui va se faire fermer les portes et va être obligé de couper. Deux pilotes sont donc à surveiller, le 222 Lacan Jordan, suivi du 36 Ginesta Yannick. Ces deux pilotes se battent pour le titre de la soirée. Les écarts commencent à se faire. Dans le milieu du tableau, Martinez et Carcy se tirent la bourre. On voit beaucoup de duels sur cette manche. Ici, c'est Lacan qui vient de passer, suivi de très près par Ginesta. Les deux hommes partent seuls devant. Ginesta attaque Lacan régulièrement. Celui-ci se tourne justement pour l'observer. Et à la troisième place, c'est Deldossi qui vient de passer. Pour le top 5, il y a Tarallo également, Ngugune, Lebeau, Barcelo qui se bagarrent. Et pour le top 10, on va retrouver Humbert, Mort, Tousa, Indileri et Roussari qui eux aussi veulent rapiller un maximum de points. Il a fermé les portes à Yannick Ginesta et c'est donc Jordan Lacan qui l'emporte sur cette manche. Voilà, c'est terminé pour ce Motocross à la Guépy édition 2015. Important de noter tout de même que sur la catégorie Prestige, sur les 6 premiers, 4 font partie du club. Tous les organisateurs et moi-même, nous vous remercions de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao, ciao. My Web Sports.